projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 14, au verset 15, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous rappelle que les commandements que le Seigneur a partagés avec le monde, vient du Père. Et le nouveau commandement, c'est que nous devons chasser la haine, toute amertume, et aimer même nos ennemis. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, Céleste de notre nous te bénissons ce matin. Que ta parole accomplisse son œuvre dans nos cœurs. Par ton Esprit Saint, parle dans nos, parle dans nos cœurs et nos consciences. Seigneur, façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Manifeste-toi à toute personne qui n'est pas encore réellement convertie, qui n'a pas l'assurance de son salut qui n'a pas encore saisi la vie éternelle par la foi en Christ. Seigneur, agis en profondeur dans nos cœurs et nos vies. Et je te demande aussi de guérir toutes les personnes malades au milieu de nous, selon tes promesses, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas la religion qui plaît à Dieu. La religion ne sauvera personne. Dieu désire nos cœurs. Il désire avoir une relation personnelle avec vous. Et nous devons chercher sa face si nous voulons le connaître. Nous devons le chercher avec tout notre cœur. Dans Joël chapitre 2, verset 12, nous sommes invités, les Israélites étaient invités à revenir à Dieu. Dieu a dit, avec tout votre cœur, avec des jeunes, avec des pleurs, avec des lamentations. Et nous voyons la même sorte de choses dans le livre, dans l'épître de Jacques. Au chapitre 4, au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux angles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élavera. La Bible déclare clairement l'homme est pécheur. Tout homme a péché. Tout homme a brisé les lois de Dieu. Dieu était tellement troublé à l'époque de Noé, voyant que les imaginations des hommes se penchaient continuellement vers le mal. Il a décidé d'agir et il a jugé. Dieu jugera tout homme, mais tout homme peut être sauvé. Dieu désire sauver tous les hommes. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, peu importe ce que vous avez fait. Peu importe ce que vous avez comme habitude mauvaise, Dieu désire vous pardonner, vous purifier et vous transformer, vous délivrer de tout ce qui est contre sa volonté. Jacques parle de tristesse, Joël aussi. Nous devons chercher Dieu en évitant de manger par les jeunes avec des pleurs, avec des lamentations. Pourquoi, selon 2 Corinthiens, chapitre 7 et au verset 10, il y a une tristesse selon Dieu qui produit une repentance dont on ne se repent jamais, à moins de passer par ce, ce stade. On ne peut pas avoir la joie durable. On ne peut pas avoir l'assurance de son salut. Malheureusement, il y a énormément de gens qui fréquentent les églises qui ne sont jamais passés par ce stade. Ils ne connaissent même pas ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu. Ils ne cherchent pas le Seigneur de tout leur cœur. Car ce qui déplaît à Dieu, lisons dans Romains chapitre 1er, notre monde est en train d'élever, de glorifier ce qui déplaît à Dieu. Dans Romains chapitre 1 l'homosexualité, le lesbianisme est visé. Mais après, nous voyons que ce ne sont pas uniquement ces choses qui déplaisent à Dieu, mais toutes sortes de choses que tous les hommes commettent. Au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. En fait, une personne qui ne veut pas chercher Dieu, qui ne veut pas le connaître, qui ne veut pas y penser, vous savez que la Bible dit que les athées préfèrent être athées parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne veulent pas penser à la réalité de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas penser à Dieu parce que Dieu et la Bible parlent l'enfer. Et c'est trop horrible. Ils repoussent l'idée. Mais c'est la réalité. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Le monde devient de pire en pire parce que les hommes ne cherchent pas le vrai Dieu. Ils ne le cherchent pas avec tout leur cœur. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. J'étais choqué, j'ai mis la vidéo sur Facebook, mais il y avait un homme qui avait le courage de dénoncer l'avortement devant une clinique aux États-Unis et un des docteurs qui faisait ces choses est sorti du bâtiment et a entendu ce que le chrétien disait et on a l'impression que cet homme est complètement possédé de démons. Il raconte en se moquant de la personne qui aimait tuer les bébés, les enfants, les fœtus. Et il va, il continue comme quelqu'un de complètement fou. Et le monde est en train de glorifier, dans tous les sens et dans, à tous les niveaux, les choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu dit, il déclare que ceux qui acceptent ces choses sont dignes de mort. En général, non, Dieu n'intervient pas pendant la vie. J'étais en conversation avec quelqu'un par Facebook hier, et cette personne apparemment ne croit en rien. Et. Euh, Il voulait me contredire quand je parlais de l'islam. Et nous avons parlé longuement et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne veulent pas connaître la vérité. Je lui ai dit, mais vous savez, Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Il n'y a personne dans l'histoire qui a accompli autant de miracles, guérissant toutes sortes de maladies, ressuscitant les morts. Et lui-même, il est ressuscité, selon les témoignages de centaines de personnes, qui ont donné leur vie plutôt que de nier ce fait. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il n'y a point de salut dans d'autres religions qui renie, qui nie ce que Jésus-Christ a accompli. Mais le problème, c'est souvent au niveau du cœur, les gens ne veulent pas. Connaître le vrai Dieu, ils ne veulent pas changer de vie. Jacques dit que nous devons purifier nos propres cœurs. Déjà, nous devons faire nos propres efforts, mais en réalité, selon la Bible, c'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui accomplit ce qui est vraiment nécessaire. Dans Jérémie, au chapitre 17, au verset 9, la parole dit le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant et Dieu le voit. Mais il veut nous faire grâce quand même pour toutes nos offenses. Il veut nous pardonner. Il veut nous aider à abandonner tout péché. Il veut nous aider à purifier nos cœurs. Dieu cherche des gens qui veulent le connaître avec tout leur cœur, qui veulent travailler pour lui avec tout leur cœur. Dans l'Exode, au chapitre 35, je voudrais vous rappeler des choses que souvent les chrétiens ignorent. Dieu demandait beaucoup plus que 10% des biens des Israélites. Les Israélites ne donnaient pas un seul dîme, 10%. Il y avait une dîme principale commune qui était utilisée pour soutenir les Lévites qui s'occupaient des choses de Dieu. Mais Dieu demandait aussi qu'ils mettent de côté un autre 10 pour leur pèlerinage, parce que Dieu demandait qu'ils voyagent pour les fêtes juives trois fois, trois fois par an, à moins qu'ils habitaient déjà au Jérusalem. Tous les trois ans, ils devaient trouver aussi un autre 10 pour les pauvres. Tout était stocké. Plus tard, quand il y avait un temple, dans le temple. Mais dans l'Exode, c'est avant, c'est juste après que le peuple ait quitté le pays d'Égypte. Ils étaient esclaves pendant plus de 400 ans. Tu as délivré en accomplissant toutes sortes de miracles. Et Dieu a parlé à Moïse, aux Israélites, donc. Qui devait déjà donner la dîme et tout le reste que je viens de dire. Mais quand il s'agissait de la construction du tabernacle et des ustensiles pour le culte, et c'était la même chose plus tard pour la construction du temple, Dieu demandait des offrandes volontaires en plus que ces dîmes. Et ce que je remarque, c'est que Dieu ne voulait que les gens, que les dons qui étaient donnés du cœur. Par exemple, l'Exode 35 au verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé. Au verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de l'attente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent. Des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Et le verset 29 au 26 Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, qui avaient de l'habileté, firent du poil de chèvre. Donc, même pour le, le, les travaux, Dieu ne voulait que les gens qui le faisaient avec leur cœur. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, que l'Éternel avait ordonné par Moïse, à apporter des offrandes volontaires à l'Éternel. Dans deux chroniques au chapitre 16, au verset 9, la parole dit que Dieu cherche sur toute la terre des gens qui ont le cœur tout entier à lui. Est-ce que vous avez un cœur qui est tout entier à l'éternel Selon le Deutéronome chapitre 6 au verset 6 à neuf. Et c'est un passage très important pour vous et pour vos, votre famille. Oui, ce sont des, des paroles données en Israël, mais le principe est le même pour nous. Deutéronome 6 au verset 6. Lisons même le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, ce sont les vacances, les gens partent en voyage, mais est-ce qu'on parle du Seigneur? Je l'ai dit déjà, mais j'ai parlé avec des jeunes dans le passé qui avaient été élevés dans des familles chrétiennes qui assistaient à toutes les réunions de l'Église, qui m'ont dit, mais j'ai jamais écouté. Je ne connais rien de la doctrine. J'étais là, mais mes pensées étaient ailleurs. Ne dépendez pas de l'Église pour que vos enfants soient sauvés. C'est à vous d'en parler. C'est à vous d'enseigner la parole aux enfants à la maison. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne et surtout ma mère nous parlait chaque jour du Seigneur. Elle le fait toujours. Et moi-même et mon frère. Sont entrés dans le ministère. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains. Ils seront comme des frontons entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En fait, il faut vraiment que la parole de Dieu soit dans nos cœurs et dans les cœurs de nos enfants. Et c'est à nous d'agir pour que ce soit le cas. N'oublions pas que ce n'est pas ce qui est fait extérieurement qui est la seule chose, les seules choses qui déplaisent à Dieu. Dieu nous juge au niveau de notre cœur. Nous pouvons pécher avec notre cœur. Deutéronome 8, verset 17, nous dit Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui donnera, qui te donnera de la force pour les acquérir, c'est-à-dire les richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu as appris d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Le verset 17 dit Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis, c'est Richel. C'est simplement un seul exemple de comment nous pouvons pécher contre Dieu au niveau de nos pensées. Le cœur, selon la Bible, c'est le siège de nos pensées, de notre volonté, de nos émotions. Et nous devons veiller. Le Nouveau Testament nous dit que toutes nos... Pensées doivent être captives à la pensée de Jésus-Christ. Dans deux chroniques, chapitre 12 au verset 14 parlons d'un des rois, il fit le mal parce qu'il ne s'applique, il n'appliqua pas son cœur à chercher l'éternel. Souvent, les gens se disent Mais comment ça se fait, J'arrive pas à abandonner tel et tel péché, telle et telle habitude mauvaise C'est tout simplement parce que vous n'avez pas appliqué votre cœur assez pour connaître Dieu. Le Seigneur libère le Seigneur purifie. Dans Jean. Chapitre 8, au verset 30. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer signifie être constamment dans cette parole en train de la méditer. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un peu plus loin, au verset 34, il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Au verset 36, si donc... Le Fils vous a franchi. C'est avec l'aide de sa parole, vous serez réellement libre. Sa parole est indispensable. Il a dit, ma parole est esprit et vie. Mais son esprit est indispensable aussi. Dans Corinthiens chapitre 6, au verset 9. Nous lisons, ne savez-vous pas, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Dans certaines Bibles, c'est le mot infâme. Et si vous lisez en Corinthiens chapitre 1er, les infâmes sont les homosexuels et les lesbiens, Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mis à part de ces choses. Vous avez été justifiés juste comme si vous n'aviez jamais péché, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Personne n'est chrétien qui ne reçoit pas l'Esprit du Seigneur. Selon Romains chapitre 8, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui n'appartient pas. Si le Saint-Esprit est en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Il nous conduit et il nous donne une assurance tellement grandiose que nous crions Abba, Père. Nous savons que il ne s'agit pas d'un Dieu éloigné un Père qui nous aime et qui nous sauve, qui est là pour nous aider avec de tous les problèmes de la vie. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous avez une relation réelle avec Dieu? Est-ce que vous l'avez cherché avec tout? Votre cœur, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la preuve de notre amour. Et quand on le cherche ainsi, avec tout notre cœur, nous recevons le Saint-Esprit en nous et il rend témoignage à notre esprit. Que tout est bien est ce que tout est bien dans votre vie tout peut devenir bien si vous lui faites confiance peut-être que vous n'avez jamais accepté jésus comme seigneur et sauveur peut-être que vous êtes croyant mais vous vous êtes éloigné de Dieu. Pierre s'est éloigné du Seigneur. Rempli de crainte, il a renié en blasphémant. Trois fois, il a renié. Mais Jésus a pardonné. Jésus priait pour lui déjà en avance. Jésus veut, le Seigneur veut sauver tous les hommes. Il ne veut pas nous juger, il veut pardonner et nous aider à pouvoir mettre ses commandements en pratique. Si vous avez envie de sauver votre âme, de devenir un vrai disciple du Christ, et vous voulez vraiment entrer dans une relation profonde de cherchant avec tout votre cœur. Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant. Merci, les plusieurs personnes. Oui, amen, 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 oui. N'acceptez jamais une vie chrétienne superficielle. N'acceptez jamais un message superficiel. Nous devons chercher le Seigneur avec tout notre cœur. Nous devons le connaître et marcher selon sa parole et selon son esprit. Et tout changera. Tout changera. Dans ces cas-là. Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Je vous invite à répéter une prière après moi pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. En répétant cette prière, que toute l'Église la répète, en répétant cette prière, priez avec votre cœur. Soyez sincères et le Seigneur agira par son esprit en vous. Père céleste, j'ai besoin de toi. Je proclame ma foi en ton Fils Jésus. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement. Tu étais sans péché, mais tu es mort pour mes péchés. Tu as souffert à ma place, perdu, la ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour moi. Seigneur, tu es monté au ciel et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Délivre-moi de tout esprit mauvais et impur. Entre en moi par ton Esprit Saint. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je choisis de renoncer aux mauvaises œuvres de la chair. Je renonce aux mauvaises pensées. Je désire te servir avec tout mon cœur. Purifie-moi. Aide-moi à être un modèle de foi et de pureté. Remplis-moi entièrement de ton Esprit Saint. Que tout en moi te glorifie. Aide-moi à être persévérant. Méditant ta parole chaque jour. Persévérant dans la prière. Cherchant les âmes. Oui, de fait de moi un gagneur d'âme. Et Seigneur, vraiment que tout en moi te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Si vous êtes malade, venez. Si vous avez besoin de délivrance, venez. Peu importe la raison, le Seigneur peut agir, mais venez avec foi, venez rapidement, et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé, en son nom, avec l'imposition des mains. Élevez vos mains vers le ciel et commencez à faire connaître à Dieu votre besoin, vos besoins. Dieu écoute les prières des gens qui s'humilient. Que les diacres s'approchent aussi pour nous aider. Étendez vos mains vers toutes les personnes devant. Que tous les malades soient guéris, que toute personne... Troublés par l'adversaire, soient délivrés. Que les châteaux, que les gens qui sont liés par des habitudes mauvaises, par les péchés, soient délivrés. Que Dieu agisse pleinement au niveau des cœurs et des vies. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix ensemble. Adorons le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur en avance pour tout ce qu'il va faire de miraculeux. Alléluia.